Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo pour parler du patch note sur la version JP/KR. Donc vraiment les gars, c'est un petit patch, donc le titre je pense que je vais mettre le calme avant la tempête, ok, on a un peu galéré. Enfin bref les gars, mise à jour quand même assez intéressante honnêtement pour une petite mise à jour, je suis quand même très étonné. J'étais en mode, ouais, Netmarble, il se passe quoi là? Ça va, en vrai, je trouve ils ont bien réparti le contenu, entre guillemets, enfin le contenu en soi c'est que des reruns. Mais il y a des trucs à faire, tu vois. Donc en vrai, c'est bien réparti, honnêtement. Parce que comme je vous ai dit, les gars, le 29 juillet, Holy War, donc Cusack avec peut-être Estarosa. Honnêtement, je ne sais pas. Je peux pas te dire. Mais en tout cas, présentation du patch, donc retour des trois boss Disasters. Bien évidemment, bon, c'est des boss que tu one-shot, y a pas de difficulté. Mais ce qui est intéressant, chose à noter, c'est que le shop est quand même très bon. Genre vraiment, le shop est très intéressant. Surtout qu'il y a des nouveaux skins gratuits, donc Merlin, Elisabeth, Ban. Donc ça, je pense que c'est les bans, c'est pas ban purgatoire, mais les bans bon, random, hein, les bans classiques, j'ai envie de te dire. Gozer, bon, on est déjà full skin. Pour les gens qui n'avaient pas les skins sur Shein, Roxy, etc., c'est cool, au moins, tu pourras les prendre. En tout, il y a 6 pièces à prendre avec les 3 shops. Sans enclume. Médaillon, bon, 3 médaillons, MDR, hein, bon, ça, je vais pas en parler. En termes de ressources de démons, ouais, non, c'est nul. Enfin, ouais, le shop, on va dire, il est vraiment ok, cher. On va dire, le seul défaut que je pourrais donner à cette mise à jour, après, je vais présenter la suite, mais là, ils ont mis le retour d'un event Disasters, mais ils ont pas remis en vente les skins de Valentine. MK2, mais moi j'en ai vraiment besoin de Valentine MK2, genre j'ai pas de skin sur elle en fait. J'ai juste un set de skin et elle est 6-6 depuis 10 ans. Bon après ça... Limite on va dire c'est... Les skins ça intéresse que moi ou quelques joueurs qui possèdent Valentine MK2 6-6. On va dire ça serait cool de remettre les skins parce que bah, ils sont jamais revenus en fait les skins. Et c'est très chiant. Donc ouais, bon shop. On va dire il est ok tier, c'est pas non plus transcendant. Bon, ça se prend, ok. Event, on va dire histoire, je crois, il y a 2 gemmes, 5, je sais plus. Event, histoire, été, donc ça, on l'a déjà eu à l'époque, les gars. C'est un truc qui date de 2 ans, donc encore une fois, comme je t'ai dit, du recyclage. Bon, ok, on connaît de toute façon. Donc, ouais, je crois, a priori, à la fin, ils ont dit qu'il y avait des pièces ça à prendre, donc ok, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas, mais c'est un petit truc qui sert un peu à rien. Nouveau Hawk Pass, les gars. Le Hawk Pass, ce qui est bien, chose à noter, c'est que maintenant, ils ont mis un paquet en free-to-play. Est-ce qu'il y a un paquet en payant? Bon, ok, le Hawk Pass payant, frérot, ils ont rien changé. Ils ont mis 5 ressources de Belmos, sans déconner. Ah ouais, putain, c'est... Ok, maintenant, dans le Hawk Pass, tu pourras acheter 2 paquets. Ça, c'est les meilleurs paquets, les gars. C'est dans le paquet, ouais, je crois que c'est uniquement dans ce paquet où tu peux avoir... La carte UR, donc la carte UR c'est le poulet qui est très fort honnêtement. Donc ouais, tu pourras acheter 2 paquets, 350 points chaque paquet. Donc 2 maximum comme je l'ai dit. Ok, et après j'ai oublié de le dire, mais skin de Merlin Fest les gars. Enfin un skin pour Merlin Fest. Enfin, ouf, ça fait 10 ans. Par contre AM les gars, c'est qui? Genre littéralement AM, les développeurs, ils ont banni le perso. Genre le développement d'AM, MDR c'est qui AM? C'est personne les gars. Ça me fume en vrai, genre AM c'était le... On va dire c'était... Attends, il y a eu Ban, Escanor... Ouais, on va dire qu'AM en vrai c'était le perso limite qui devait arriver, on va dire, après les skins d'Escanor The One. Bah non en fait. Les développeurs littéralement ils ont dit non, fuck it. Next. Chose intéressante aussi c'est qu'on va fight... Enfin il y aura Merlin Légende, bon. La difficulté Légende, j'ai pas te le cacher, c'est un peu bateau comme mode de jeu. Tu prends des gotchers, hein, tu prends Gozer Vert... Comment on s'appelle après Sariel, encore une fois, vu que là en plus Merlin est verte. Donc forcément, Sariel il va s'amuser, il va la one shot. Sauf que les gars, chose à noter, c'est que je crois de mémoire, la Merlin boss, tu focus uniquement la Merlin et les mobs à côté ils vont mourir. Donc ouais, je pense les gars, avec Sariel, il y a moyen de se faire plaisir. Je pense honnêtement, la team la plus simple, ça sera Gozer, Jan, Sariel et DP en sub. Item attaque et ouais, ça sera pas compliqué. De toute façon, la difficulté légende, honnêtement, à part avoir le skin là qui est offert, de toute façon, je pense que t'es full skin sur Merlin depuis très longtemps, et avoir les 5 gemmes, honnêtement, ça sert à rien. Il y a aussi le shop qui est intéressant pour les 10 pierres UR, mais le reste, ouais, sans enclume, 3 médaillons. Ok, bon, 3 médaillons comme d'hab, 10 marteaux, pourquoi pas. Ok.
Donc ouais les gars, Merlin Boss, ok bon je prends, mais honnêtement les gars pour une petite mise à jour je suis quand même très étonné, genre vraiment c'est rare de voir ça, genre Netmarble faire une bonne mise à jour, petite mise à jour on va dire correcte tier, c'est, franchement j'étais choqué, hein. Je fais, quoi, vraiment j'étais en mode, ah, donc ouais, yes, en plus hier je t'avais dit Merlin Legend dans la, dans ma vidéo, donc ouais les gars, merci d'avoir regardé, donc dans pas longtemps il y aura le Cusack et un autre Holy War, donc on sait pas qui. Peut-être en vrai Cusack, Holy War et Margaret, hein. Okay. Mais moi je vois plus Margaret comme le perso free-to-play, Cusack le deuxième, enfin le perso avec le Holy War un peu comme Chandler, hein, comme j'avais dit dans ma vidéo. C'est fort probable en vrai les gars, honnêtement. Fort probable. Donc ouais, le calme avant la tempête, on attend de voir les gars et on verra s'ils vont faire... une bonne mise à jour. J'espère vraiment que la mise à jour du Holy War va être vraiment cool. Hein. Parce que si encore une fois c'est un portail, ouais, c'est bon, à un moment donné frère, Alt-F4 en fait. Hein. Ok les gars, merci d'avoir regardé. Moi je vous laisse. Bonne journée, bon appétit. Tu connais les bails. Hein. N'hésite pas à t'abonner. Active la cloche, pas au coin. Des nouvelles vidéos, ok. Merci à Iron. Et aussi de lâcher ton like si t'as kiffé la vidéo, bien évidemment. Moi je te laisse. Tu connais les bails. Tchuss!